Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, c'est bon. Arrêtez de vous focaliser sur mon beau visage. Écoutez un petit peu ce que je dis, au lieu de regarder et d'être émerveillé. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va bien sûr, encore une fois, parler de Lionel Messi qui fait parler de lui alors qu'il est en vacances. Oh là là, franchement, quand tu es joueur de foot, tu te dis que franchement, Messi il joue à un sport et toi tu joues à un autre sport. Peut-être que toi tu fais du handball, du basketball ou du tennis parce que c'est pas possible d'avoir une telle différence entre Lionel Messi et les autres joueurs. Vous vous rendez compte? On est en train de dessiner le visage de Messi à Miami alors qu'il n'a même pas encore touché le terrain américain, qu'il n'a même pas encore enfilé le maillot, qu'il n'a même pas encore commencé les entraînements. Vous vous rendez compte? Alors que depuis que Lionel Messi a été annoncé à l'Inter Miami n'arrête pas de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils sont en train de se dire, bon, on n'a plus besoin de jouer, ça y est, c'est terminé, on a Lionel Messi dans l'équipe, et puis voilà quoi. Donc là, ça va être du grand n'importe quoi, le côté fanatique qu'on va voir du côté des États-Unis, hein, eux qui connaissent rien du tout au football. Voilà, donc ils vont commencer à nous expliquer que voilà, Lionel Messi, le meilleur joueur, il est dans leur championnat, blablabla, blablabla. Bla, bla. Dans tous les cas, l'Inter Miami, inconnu au bataillon, voilà, on vous connaît pas. Il y a quel grand joueur qui est passé par votre équipe? Vous allez me dire, ouais, maintenant on a Lionel Messi. Mais avant ça, il y avait qui? Hein? Qui était là? Vous êtes là en train de dessiner le visage de Messi. Mais attendez, qui joue quand même? C'est quoi votre délire? Vous savez pas que nous, ici à Paris, au lieu de dessiner son visage sur les murs, nous, on met ça comme des paillassons? T'es pas au courant? Hein? Que nous, c'est sur sa tête qu'on s'essuie les pieds? Tu penses que quoi, là? Vous êtes là en train de l'acclamer, il n'a même pas encore joué. Quand il va faire la même première saison qu'avec nous, avec le Paris Saint-Germain, vous allez comprendre. Quand il va mettre 4 buts, 0 passe décisive, hein, vous allez commencer à effacer sa fresque. Mais c'est trop tard. Hein? Calmez-vous là avec Lionel Messi. C'est quoi ce délire? C'est un joueur de foot, c'est un humain. Il va aux toilettes et quand il fait caca, c'est pas des fleurs qui sortent. Hein? Ça, il faut vous l'intégrer dans la tête. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous pensez quoi? Que quand il fait pipi, c'est de l'eau pure qu'on peut boire? Et puis quand il fait caca, c'est de la bonne viande bien rouge, bien saignante? Vous êtes malade ou quoi? Donc commencez à considérer Lionel Messi comme tout le monde. Parce qu'il est comme tout le monde, à part qu'il joue au foot comme personne. Mais jouer au foot, ça a rien apporté à personne. À part des ambitions, ah ouais, moi aussi j'ai envie d'être comme lui. Mais quand t'as pas les capacités, c'est mort. C'est mort. C'est quoi ça là? Commencez à aller aduler les chirurgiens et tout là.